Visite Premier ministre Gary Conny fait hier, bien bonheur nan matin, nan base côté soldat ou bien policier qui a fait partie force multinationale là à pas basé yo. Donc Gary Conny qui dit n'a pas reprendre pays non caille pas caille, quartier pas quartier, ak ville pas ville. Hein, c'est déclaration Gary Conny fait dans le cadre de visite réalisée hier mercredi dans la base force multinationale dans la Claircine. Chef Prématiante a profité saluer pays Kenya qui, d'après lui, a accepté prendre tête force multinationale là, qui a bien pour travail, bon côté la police, qui a calamé pour rétablir sécurité dans le pays. Hein. Premier ministre Gary Conny mandé population pour être confiant et vigilant parce que d'après Saldi, le gouvernement l'a pas dirigé à travail avec Patnelio pour capable reprendre contrôle pays. En côté déclaration, Premier ministre Gary Conny qui était dans le micro, Reginald. Je nous ai dit pour moi son acte de solidarité extraordinaire. Juste notre bonne Afrique de l'Est, qui n'y attendait souffrance peuple haïtien et vit dans la solidarité avec la police noire. Des villages aujourd'hui pour constater, monsieur, là, c'est le premier contingent. Je parie, je solide pour accompagner et supporter la stratégie haïtienne pour nous reprendre sécurité, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Oui, monsieur, là, je décide de terminer. Je remercie encore le Kenya, président kenyan qui prend engagement personnellement pour supporter nous, peuple kenyan qui campait derrière nous, qui campait avec nous. C'est remarquable, évidemment, le docteur Jumali lui-même qui fait voyage là. C'est juste l'autre bois. On voyage excessivement long pour venir là avec nous pour le constater. Donc moi-même, je crois que nous, à la veille d'un nouveau départ, je demande des populations haïtiennes pour être vigilants, pour être confiants. Nous travaillons avec les partenaires. Nous avons des engagements, tous les partenaires. Nous avons plusieurs pays qui font partie de contingents qui viennent supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Donc, n'a pas avancé. Les populations continuent, continuent patience. Mais que le reste vigilant n'a pas avancé. Appareil en manche, on n'a pas avancé. On a reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Soit fait chiffre là, je vais demander pour des questions de sécurité évidentes, pas tellement intéressé pour nous dire combien vous nous gagnez. Pour des raisons de sécurité. Même qu'a dit nous que le très significatif, même qu'a dit nous que nous déjà prenons disposition. Pour que régulièrement les chiffres ont monté jusqu'à ce que nous ayons capacité pour nous supporter la police. Est-ce qu'il y a très agent nous-mêmes à prêter force de police? Nous sommes déjà en discussion avec DG la police là, pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous aient tout ça au besoin pour être capable de faire opération. Nous mettons tout le bagage sous table là pour nous comment nous assurer que les policiers nous aient capacité, environnement, support et appui au besoin pour être capable de faire travail. L'opération pas de jambes suspendues. La police nationale travaille 24 heures sur 24. Et pas plus tard que hier, je suppose qu'on gagne pour que nous travaillons. Donc, nous devons nous comprendre ça, nous devons être clair. La police nationale, nous, avec l'armée d'Haïti, travaille. C'est comme ça que nous sécurisons l'aéroport, c'est comme ça que nous sécurisons l'autre site, c'est comme ça que nous n'avons pas arrêté de nous faire sur la défensive, nous pas de jambes suspendues travail. Et vous voulez reconnaître l'effort de M. Police qui a perdu la vie. Parce qu'il a essayé de protéger et défendre le peuple haïtien. Ça peut arriver qu'on y a, c'est vrai, dans les policiers, plus capacité, ou de là où il y a 455 nouveaux policiers qui pourraient jouer une force spécialisée, on a continué de préparer tête nous. Et je dis, avec appui ça, une série d'appui ça, et appui pour le venir, on a encore mieux équipé pour nous reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville.